Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Dead Rising 4. Nous en sommes à l'épisode 10 et plus le temps passe, plus les choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est terrible, c'est terrible. Ah les gars, c'était mon petit côté un petit peu musicien-chanteur qui a remonté, c'est vrai. Ok, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Dead Rising 4. Nous en sommes à l'épisode 10, c'est incroyable, on avance toujours l'affaire numéro 4. Mais quelque chose, mon odorat, voilà, j'ai quelque chose dans le nez, ou alors une crotte de nez, je ne sais pas. Mais quelque chose me dit qu'on est bientôt à la fin de cette affaire numéro 4. Très étrange, donc c'est parti, on reprend exactement là où on en était. S'il y a bien quelque chose que j'attends le plus au monde à l'heure actuelle... Bon, c'est pas nouvel an, de toute façon c'est dans 3 jours, j'ai quand même hâte, hein, je vous le cache pas, histoire de trinquer avec les frérots, mais si j'attends bien quelque chose, c'est Resident Evil 7, on en voit de plus en plus, j'ai trop hâte, vous imaginez pas à quel point Resident Evil est de base une de mes franchises, voire la franchise, ma franchise préférée, avec Final Fantasy. Là j'en peux plus, là clairement je bouillonne les gars. Mais je me suis dit une chose, j'ai regardé des vidéos et... Oh là là, calme-toi, t'es tombé, qu'est-ce qui se passe? Je vois que t'as trébuché, c'est pas grave, ça arrive. Ok, on va revider la pièce, comme la dernière fois, à l'ancienne, comme on dit dans le milieu des professionnels. Donc, je me suis dit une chose, en regardant les quelques vidéos, j'ai même pas fait la démo tellement je veux tout me garder, je veux me garder toute la surprise. Alors lui est en train de bouffer son pote se relève, ça va, pas de rancune entre eux, tout va bien. Est-ce que je vais... Voilà, ça c'était ce que j'étais en train de me dire, on revient là où on en était. Mais attends, mais mec, monsieur est un gourmand, monsieur est un fin gourmet, monsieur, faut mourir, quand même, mais mec, attendez, il est mortel, la tête de ma mère, je crois on a créé un zombie mortel. Non, je crois qu'il est mort, ok. En fait, son animation continue quand on le tape, mais il est mort. Ah d'accord, il tombe que maintenant. Ouais, il était bien mort. Ouais, c'était le plaisir de s'acharner sur quelqu'un. Donc, comme je vous disais, j'ai même pas fait la démo, mais voilà, forcément, je lis un maximum de choses. Je lis un maximum de choses au sujet du jeu, mais sans trop en lire à la fois, j'ai vraiment pas envie de me spoiler. Et je me demande si je vais assumer. Réellement, s'il y a bien un jeu auquel j'ai des doutes. Alors, Evil Within, j'avais quelques doutes. Je me disais, ça va être quand même méga chaud. C'est pour ça d'ailleurs, c'est mon petit côté fragile qui est remonté à la surface quand on l'a refait en facile. Mais alors là, là c'est chiant, les gars. c'est une séance d'acrobatie depuis tout à l'heure. Mais alors là, je me dis, est-ce que je vais réussir à assumer l'intégralité de ce jeu tellement il fait flipper sa mère, il incarne tout ce que je déteste. C'est-à-dire des putains de screamers, des gamins. Des vieux, c'est des cajoles, bordel, et ils arrivent à bouger et bouffer des intestins. Donc, il va être terrible, ce jeu va être terrible. Vous êtes combien? C'est bon. Ok, trouver la pièce sécurisée, c'est fait. On peut passer à l'enquête. Je les ai tous eus. Alors, où se cache cette pièce sécurisée? Ok, donc la pièce sécurisée est juste à côté. On va faire le début de la enquête, comme on dit dans le milieu des enquêteurs. La vache, doit y avoir des milliers de fichiers ici. Nous revoici exactement là où nous nous étions arrêtés. C'est parti, début de l'enquête. Donc voilà, je tenais à vous faire part. Alors, je vais le faire. Je vais pas lâcher le morceau, hein. Vous me connaissez, les gars. Je suis une machine, mais clairement, je vous le dis, je vais littéralement me chier dessus. Ça va être magnifique. Ok, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des fichiers manquants, tous datés du 25 novembre. D'accord. C'est pas mal, frérot. C'est pas mal, t'as régalé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aussi craqué que Barnaby. D'accord, peut-être un chat, non? Hop, ça sent ici. Voilà, je sais pas c'est quoi. C'est un ordinateur. Et voilà, le matos informatique manquant de Barnaby. Un porte-document, voilà, les gars. Et... l'unité Nova 6. Qu'est-ce que c'est? Oui, je me demandais la... Je me posais la même question, exactement comme ça. C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà, ça va être terrible. Ah, ça vient de la chambre de traitement que j'ai vue au labo de Barnaby. Il y a des coordonnées. Et le labo de Barnaby le 25 novembre. Voilà la date qu'il me fallait pour trouver les bonnes infos.
Ok, enquête terminée. Alors voilà, je voulais vous faire part de mon track au sujet de ce Resident Evil 7. Hop, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai franchi cette porte. Parce que de toute façon, l'objectif était derrière. Hé, des allers-retours, ça mange pas de pain. Je tiens encore une fois à vous remercier tous pour le nombre de likes conséquents, incroyables, que vous mettez à chaque épisode de The Dead Rising 4. J'ai tellement envie de vous baiser, vous savez même pas à quel point. C'est magnifique, on récupère le fichier okay, vidéo. Voyons. Voilà. Novembre. Ouais, extra. Viens par là, petit enregistrement de surveillance. Je vais te trouver un ordinateur et t'étudier à la loupe. Mais pourquoi j'ai un porte-document ? Mais attendez, mais c'est ridicule, j'en voulais pas au final. Je viens de me rendre compte que j'ai peut-être potentiellement laissé une épée d'enculé pour un putain de porte-document. C'est terrible. Ok, je vais récupérer... D'accord, ouais, il me restait une place, ça veut dire qu'il me restait une place. Bon, j'ai récupéré le porte-document. Eh les gars, ça peut être utile, hein. Il suffit que je trouve par terre un papier, une petite photo sympa, intéressante. Ah les gars, je mets dans le porte-document illico, hein. Oh. Hey. Salut ma cocotte. Comment ça va? Ah, merde. Tu feras plus attention à l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me gênait. Je remets le courant. Bon alors. Hansen, le périmètre. Bien sûr. Vargas, photo, étiquetage et inventaire. Entendu. Ma coloc, sors-toi la tête du cul. Sécurité électrique, je veux pas d'accident. Ouais, je m'en occupe. L'équipe de transport arrive, ils seront là dans moins d'une heure. On fouille du sol au plafond, compris ? Oui, oui, chef. Bien. Le corps a été incinéré à 15 heures précises. C'est mon 7e échec et... 19 septembre 2006. Docteur Russell Barnaby. Ceci est probablement mon dernier compte rendu. Une épidémie a éclaté à Willamette. Ça ne vient pas de moi, j'ignore qui a fait le coup. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Une fuite du confinement, je ne sais vraiment pas. L'expérience capitaine inachevée. À ce rythme, il faudra au bas mot 50 ans de recherche. Toutes les données sont là, stockées sur mon bien, disque principal. C'est ça qu'on cherchait. On récupère. Peut-être qu'un seul et brillant scientifique les exploitera un jour. Ça charge. La chambre de traitement reste bloquée à une efficacité de 62%. Elle représente toute la vérité de ma création. Kulder ? On appelle ça la non-mort. Il n'y a pas de plus grande ironie au monde. Si vous sentez la pourriture, la rage bestiale, la défaillance de l'esprit, demandez-vous, que reste-t-il ? Un zombie n'est qu'un homme infatigable, finalement. Il n'est jamais malade, ne vieillit pas. En fait, les zombies sont la clé pour accéder à l'immortalité. Cependant, comme les tests sur l'animal ne donnent rien... Oh, ces imbéciles heureux du Pentagone qui ne pensent qu'à faire une arme de ce fléau. J'en ai la preuve, et ça aussi, je le garde dans un lieu sûr. Bon, j'ai été convoqué par un agent inconnu. Je me sens en danger. La voix me rappelait quelqu'un. C'est peut-être un employé ou un habitant de Santa Cabeza. À mon sens, je dois me préparer. Si quelqu'un a survécu à l'incident et que mon nom et coordonnées ont transpiré, je vais certainement me mettre sous cataclysme sur le dos. Par ailleurs, la population infectée augmente vite. Si j'étais raisonnable, je resterais là-dessous. Mais j'avoue éprouver un besoin follement irrépressible de voir mon travail grandeur nature. Si jamais je suis affecté, je devrais revenir ici et utiliser la chambre de test. Ce sera un effort de la dernière chance pour me sauver du fléau que j'ai créé. Chers amis, adieu. Il faut que le monde sache que j'ai lutté jusqu'au bout pour protéger la vie. Ce faisant, j'ai malgré tout causé d'innombrables morts. Bordel, qu'est-ce qui se passe ?
Angèle, sors de là, allez, fous. Fontana, vous me faites pas peur! Je sais qui a déclenché l'épidémie! C'était Calder, un de vos soldats! Unité Charlie, redéployez-vous au sol. Délogez-le. Il faut que je me tire d'ici. Ok, échappez-vous de la base. Alors, on va faire une petite pause parce que là, on a une belle cinématique, grande cinématique, que j'ai trouvée pour ma part très intéressante. On en sait beaucoup plus. Là, elle m'a clairement redonné la dalle sur le game. Déjà, sur les recherches de Barnaby, hein, on sait que c'est pas lui aussi qui a répandu la nouvelle épidémie qu'il y a eu à Willamette. Et en plus de ça, on a l'identité de Calder. On sait comment il a été infecté et comment il s'est transformé en chose très, très, très volatile. Très, très, très méchante. Hein, voilà, on va le résumer comme ça. Donc, on en sait vraiment plus et j'ai trouvé ça très sympa. Ok, échappez-vous de la base. Franck, vous êtes là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je suis là. Je suis occupé, là, mais en gros, cet enfoiré de Calder détient notre scoop et Fontana tente de me liquider. Attendez, quoi ? Je suis piégé, saloperie de monstre, Fontana. Terminé. Je prends des dégâts ? Pourquoi il y a des taches de sang qui s'affichent ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ok, on va essayer de s'en sortir. Alors, les gars, si j'ai pas un exosquelette, on n'est pas bien. Ah, ah, ça en fait des marches. Je ne crois pas avoir vu votre carte de presse. Ah, je sais ce que vous trafiquez. Vous tentez d'achever les recherches de Barnaby. Vous voulez faire du zombisme une sorte de traitement d'immortalité. Vous comptez plumer une bande de milliardaires vieillissants. C'était le plan. Hélas, ça rapporte moins que la main-d'œuvre bon marché. Quoi ? Au début, le client voulait juste exploiter les recherches de Barnaby. Mais ces zombies intelligents sont apparus. Et la mission a évolué, pacifiée, domestiquée et formée. Vous mettez au point des soldats. Vous voulez une armée de morts-vivants? N'importe quoi. Vous les voyez dans la nature avec un flingue? Non, on voulait en faire des caféiculteurs. Sérieux? C'est vrai que le café, ça rapporte. Il y a aussi l'industrie, les fruits, l'emballage de la viande, je sais pas. Les noix, c'est dur à récolter. Non, enfin bref. Les esclaves, à prix réduit, exportés à qui peut payer. C'est tout ce qui compte avec eux. Justement, de qui on parle ? De vous, Franck. Si toutefois vous payez vos impôts. Vous avez fait une erreur. À quoi ? Vous savez, ok, c'est plutôt pas mal ça. On en a appris beaucoup plus. Attends, ma soeur. Allez, c'est bon. Allez, ça dégage. Ah, c'est beau ça. Allez, ça dégage. Ça aussi. Vous êtes prêts? Ah, c'est quoi déjà?
Commandant! Commandant, on approche de votre position! Vous avez besoin d'aide? À vous! Négatif! Ne venez pas ici! Quel sens du sacrifice pour une mercenaire? Les loups prennent soin de leur meute ouest. Obscurus possédait ce dont j'avais besoin. Et Amanda a accepté de faire une pause dans son putsch pour m'aider à m'introduire dans la base. D'accord, on a peut-être oublié de refermer derrière nous. Un vrai carnage. Enfin, disons qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. J'ai découvert qu'Obscurus utilisait les recherches de Barnaby pour créer des esclaves zombies. Un truc bien tordu, faut avouer. Et Calder? Tiens, j'en ai une bonne. Arrêtez-moi si vous la connaissez. Un exosquelette et un zombie font un bébé. Il est mastoc, enragé, et il a les données dont j'ai besoin pour mettre tout ça au grand jour. Et j'en ai besoin plus que jamais, parce que Fontana est morte, et c'est le seul moyen de prouver que cette affaire est l'œuvre du gouvernement. Et voilà, la bonne blague. Affaire 4 résolue. C'était très, 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 très intéressant. 6 heures de temps de jeu jusqu'ici. On a un nouveau plan, le bazooka. Je vous avais dit, hein, je vous avais dit que mon appareil lance-t-shirt, il était ouf. Je l'utilise le matin, les gars, pour enfiler mes fringues. Bref, là, il s'est passé beaucoup de choses d'un coup, hein, entre toutes les cinématiques. Bon, je vous avoue qu'elle a lâché, avant de mourir, la pire punchline ever, la meuf. Clairement, j'aurais pas lâché ça en phrase si je devais mourir dans les secondes qui viennent. 48% donc, putain. Putain, c'est cool. J'ai bien kiffé ces 3-4 dernières cinématiques. Ça m'a bien plu. On continue. Ah, je suis passé blogueur. Plutôt cool. On continue, les mecs. Direction la suite de notre aventure. Échappez-vous de la base. Il me faut ce disque dur. Oh merde, au secours ! Je vais m'aider ! Il y a un combat proche. On va aller... Ah oui. Quoi ? Tuer les zombies pour libérer le survivant. Ok. Ça risque d'être long et chiant, mais bon. On va le faire parce qu'ils sont sympas. Oh, et en plus, il y a des néos. Alors, les néos, c'est bien, hein. Ils courent partout, ils sont pas yimbes. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Je vais t'arracher par quoi, là? Je vais t'arracher par quoi? Donc, si vous voyez des néos de temps... Voilà, faire ça, hein. Des Chuck Norris... Des Chuck Norris move. Soyez pas étonnés. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Ça, je vais plus en gros. Ça me fait chier de niquer mon épée pour ça, en fait. Ah oui, d'accord. C'est un néo, genre, des types très, très chers. Allez, dégage, faut mourir, monsieur. Quoi? Quoi? Faut mourir, monsieur. Voilà. Ok, lance-fusée, ordinateur, mes couilles au bord de l'eau. Tiens, une bière. Une bière, c'est toujours bon, de temps en temps. Je veux pas mourir pour ça. Ça mange pas de pain. Tu vas pas mourir, gros, ferme ta gueule. Allez, il m'a saoulé, là. Il a poussé à bout, les gars. Avouez qu'il était relou. Ok. Non. Il en reste combien à tuer, là? C'est terrible. Parce que si j'ai le bug de la dernière fois, ou même en tant que tout le monde, ça, c'est chiant. C'est bon, frère? Il en reste plus que deux. C'est bon, là? Non, plus qu'un. Oh, il est mort, trop chelou. Et là? Ah, mais mec, c'est bon, là, non? C'est bon, là? Je regrette. Mais quoi? Mais il y a des mecs qui apparaissent dedans. J'ai jamais abattu personne, je le jure. Allez, barre-toi. Ne me raconte pas ta vie. Foutez le camp d'ici avant que je change d'avis. Très bien. Pas de problème. J'espère que le putsch d'Amande est moins sanglant. Ah, il y a un mec. Ah, il est assez con. Quand t'es bloqué comme ça dans une estrade, c'est con, hein. On peut dire que t'es mort sur scène. Ah, oh, quoi? Lâche. Aïe. Oh, ça met des patates. Ah. Salopard. Là, par contre, il y a beaucoup trop de mecs hyper modifiés de tous les côtés. Je suis pas bien, là. C'est peut-être pas par là, la sortie, hein. C'est peut-être pas par là du tout, la sortie, hein. Attendez.
Ah oui. Et là, on peut pas du tout passer. Ok, c'est pas par là. Je sais pas du tout par où c'est. Échappez-vous de la base. Oui, ça, j'ai bien compris. On va travailler le sujet, mais enfin bon, les gars, là... Là, je vois pas du tout par où passer. Yo, les gars. Attendez. J'ai un trou de balle. C'est relou. Est-ce qu'on peut passer par ici? Ouais. Ouais, on peut passer par ici. Ok, c'est bon. J'ai trouvé la sortie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, ça, c'est chiant. C'est mort. Comment faut arrêter les conneries. Ok, on a un lance-roquette. Comment on fait un bazooka? Attendez. Je regarde si je peux faire un bazooka, là, vite fait. Ok, non. Et comme ça, peut-être... Non, je ne peux pas faire de bazooka. Stop! Il nous a coincé au refuge! Je sais pas! Quoi? Amon, vous m'entendez? Ah, merde! Tenez bon, Amon! Je vous laisserai pas tomber! Ok, on file chez Amand. Rendez-vous à l'abri d'urgence de Red Ride. J'aimerais aussi faire quelque chose à l'abri d'urgence, voir s'ils ont pas la moustache plus épaisse. Parce que quelqu'un m'a fait un screen et le mec, j'ai ragé total. Il a la moustache épaisse de mes rêves. La moustache que je souhaite avoir à Noël et que je me couche en me disant que je l'aurai un jour. Ah putain, c'est loin. Ah, c'est chiant. C'est très très chiant. Donc voilà, je sais pas comment il a eu cette putain de moustache, mais je la veux. On va essayer de récupérer les plans au passage. Et une fois arrivé là-haut, au pire. Ah, un petit exosquelette comme ça. Et c'est Calder qu'on entend là des fois. Est-ce que vous croyez que Calder peut débarquer genre normal à n'importe quel moment dans le jeu, m'enculer comme jamais et repartir? Ce serait énorme. Mec, t'es en train de casser toutes les vitres, c'est chiant. Ok, il va y avoir une bagarre. Ok. Ah, c'est verrouillé, putain, c'est lourd. Tu vois des serpents, je sais pas ce qu'on peut faire. Hop, premier. Faut mourir, monsieur, toi t'es chiant. Ah, c'est chiant, putain. Beaucoup trop de verrouillé. Ok, il est mort. Hein. Je le connais bien. Ah, d'accord. Ah, putain, c'est terrible. C'était la mort la plus pire du monde. Le mec, il s'écroule d'un coup, mais pas, tu vois, pas en 40 images, 30 images par seconde comme tout le monde. Non, il s'écroule instant, en une image. En une image seconde, il s'écroule. Ok, ah oui, d'accord. Regardez. Mais gros, je peux plus rentrer dans le véhicule. Putain. Entre l'autre qui fait des... Regardez, il... Oh, mais il s'est enculé. Il est au fond de sa vie. Ah non, il a tué un pote à lui. Ok, très bien. Ok, donc les gars, on continue. On est sur le bon chemin. Ah, c'est terrible, hein, si tous les plans sont comme ça, ça va être chiant. Va falloir trouver les clés. Ah, je suppose que les clés sont dans les bâtiments à côté. Ah, survivant. Ça m'intéresse. Ok, bouge pas. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Je vais tous les éclater. Hop, nickel. Eh putain, mais même si je voulais le faire, j'aurais pas pu. C'est quoi ces conneries? Oh là là. Yo, j'ai bouché, c'est fait, c'est entièrement volontaire. Attends, c'est pas avec ta pelle. Je vais te tuer. Lâche-moi. Faut pas, madame, faut pas gêner les professionnels. Voilà, c'est bon, madame. Ah putain, y a des mecs qui arrivent à se relever. Tout va bien. Vous savez quoi? On va pas tergiverser, les mecs. Voilà, c'est bon. Normalement, on est bon. Quoi? Non, mais il se passe des trucs trop chelous. C'est quoi cet épisode de la chelou-cité? Eh, incroyable épisode, hein, par contre. Hein. C'est sûr que là, on a appris tellement de choses. C'est chiant, là. Hein. Madame. Ah, putain, faut tuer ceux de derrière, maintenant. Va y en avoir des nouveaux devant. Ok, c'est bon. J'ai plus de véhicule avec ces conneries. Et ça, c'est chiant. Bon, on continue. On continue. Quoi? C'est qui crie, là? Je me tourne, trouve-moi pas dessus. Il y a une arme, ok. Ah, oh, c'est chiant. Pardon. Pardon, je peux pas rentrer là-dedans. Hop, pardon. C'est rien. Hop, voilà. Des petits sauts à double entrée latérale. Je peux pas rentrer dans celle-là non plus. C'est un plaisir de ne pas trouver de véhicule comme je le veux. Allez, on cavale. On cavale. J'ai gagné quoi? J'ai gagné 2 points seulement. Ah, ça, c'est les cinématiques, ça. Ça m'a fait perdre bien trop de temps.
Mais de temps en temps, des petites cinématiques, ça fait pas mal. Ouais, les gars. Oh, what shit. Oh, ils vont se faire enculer. Chacun ses problèmes, les mecs. Ils vont se faire enculer. Ok. Il y a un petit point à gauche, on va essayer d'aller le chercher. Ah, putain, vous êtes chiant, les gars. Ah, ça chèque, pas là, le petit coup que je viens de faire. Sympa. Très, très aromatisé, original. Ok. On a un casse-noir, je peux faire... Casque mitraillette, je prends. Ah, lâche-moi. Allez, ça dégage. Non, 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 non. Ok, c'est bon. On a le casse-noix, les gars. Enfin, le casque mitraillette. Je l'adorais, ce casque. C'était mon casque préféré quand j'étais gamin. Hop. Oh, Harry Potter, ça. Oh, mais c'est trop stylé. C'est pas Harry Potter, ça. Ok, on peut continuer. Oh, c'est fermé, putain, les mecs. Oh, les mecs, vous êtes casse-couilles. Ah, ça, c'est pas verrouillé. Ça, c'est très sympa, ça. Ok, bon, on se casse. On continue de se casser. Ah, c'est chiant. Putain, tout est fermé. Je vais prendre la petite dépanneuse, yo. Yo, 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 frérot. Hop, c'est parti. Faut que je change de fringue aussi. Faut que j'arrive à trouver quelque chose de très sympa, mec. Ça serait cool. Vous savez quoi? Faudrait que je me refasse des cracks. Que je retrouve, parce que c'est pour moi. Ça reste mon arme favorite à l'heure actuelle. Je sais plus comment je l'ai eu. Je crois que le crack, c'était en faisant la course de karting, semble-t-il. J'ai envie de vous dire n'importe quoi. Et c'était très sympa, voilà, c'était très aromatisé. Ah, ah, ça c'est chiant. Ah, bougez pas. Ok, c'est bon, on est passé. On est passé, en forçant un petit peu. On peut réussir. Ah ouais, là, là c'est chiant les mecs. J'ai dit en forçant un petit peu. Allez, hop, on bat les couilles. Ce qui est bien, c'est qu'il y a zéro bruit quand tu fais un impact. Vous êtes près du refuge de Westridge? Je fonce là-bas. Le push d'Amanda a échoué. Qu'est-ce qui cloche au refuge? Il est verrouillé, mais quelque chose cloche. Allez voir, puis recontactez-moi. Putain d'épidémie de zombies! Pourquoi c'est toujours compliqué? Qu'est-ce qui cloche au refuge? Il est verrouillé, quelque chose qui cloche. Mais gros, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas quel mot trouver pour me parler? T'es obligé de me copier? Je ne suis jamais égalé. Ok, on est parti. Je me suis enflammé, les gars. C'était mon petit côté un peu West Side. Oh, un survivant. Intéressant. Allez, il faut vraiment que je t'aide. No suicide on the sky, ma biche. Écarte-toi, Alexa. C'est rien. T'inquiète pas. Je maîtrise. Sur cette petite musique de type classique. Voilà, ça dégage. Voilà, ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être très dur à tous les tuer. Peut-être en marche arrière. Hop, c'est rien. C'est rien. Je suis en train de l'enculer. Oh, ça, c'est un beau ménage. Ça, c'est un beau ménage à l'ancienne. Tiens, je crois que j'ai bougé les zombies de là-haut. Yo, ok. On va découper tout ça. On va finir mon épée. Je m'en referai une. Il en reste combien? Il en reste 4. 3, 4. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Pour être sûr, on coupe en deux. Allez! C'est bon, là. Ma soeur? Ma soeur? Putain, non. C'est lui. C'est lui qu'il faut tuer. Allez, c'est bon! On se casse! Elle se casse! Ouais, merci beaucoup. Elle m'a lâché une bosse, mon frère. 8 sur 9. Bientôt niveau 2, l'abri de West Ride. C'est plutôt cool, non? Et en plus, on a gagné un point d'habileté. Ça, c'est encore plus cool. J'avais dit qu'on avait passé Noël, donc on passait à 3 points d'habileté. Je pense qu'on va faire ça. On va se les équiper tout à l'heure. On va juste voir ce qui se passe. Vous savez quoi? On va se les équiper maintenant, comme ça, dès qu'il y a point de sauvegarde. On va pouvoir s'arrêter là. Ok. Donc, on a quoi dans survie? Survie, on a pas mal. Résistance, on a pas mal de trucs aussi. Ça, c'est quoi? Ça réduit les dégâts en cas d'explosion et de feu. On va le prendre. Dentir, faudrait que je me up aussi. Hop, on va prendre. Athlète doué, les gars. Moi, si je peux régaler, je régale. Hein. Efficacité de l'acide. Réduit le nombre de coups au compteur OK pour effectuer le coup spécial. Allez, on prend. Ok, on se régale de plus en plus. Ça, c'est cool. On continue. C'est le bazar complet. Si j'étais plus haut, je pourrais mieux voir ce qui se passe. Explorer le refuge. C'est moi ou mon véhicule? Ah, mon véhicule, on va pas tarder à tomber en panne. Je continue. Je continue tant qu'il n'a pas explosé. 6%, 5%, 4%, 3%. Courez!
Courez pour vos putains de vie! Oh quoi, c'est quoi ce délire? Yo les gars. Ok, pardon. Poussez-moi, excusez-vous. Poussez-vous. Excusez-moi. Ok. Inspectez la pièce sécurisée. Quoi? Voyons si je peux zoomer. Mais faut que je rentre dedans. Enquête abandonnée. Ah, faut que je rentre dedans. En fait, c'était un subterfuge. Tout n'était que tromperie. Tout n'était que complot reptilien. Non, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça, c'est un carnage, d'accord? Sûrement ça, non? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh, il a failli passer à côté. D'accord. On est dans le même jeu là, les gars. Enquête abandonnée, hein, c'est un plaisir. Enquête commencée. Ouais, j'abandonne vite, hein. Je suis un abandonneur à la base. Hein. Peut-être en zoom. Ah, d'accord. Ouais, bah les gars, faut le dire. Une clôture électrique. Bon, je suis très peu tenté par une défibrillation, merci. Ok. Et je suppose que c'est ça le dernier. C'est pas des zombies. Enquête terminée, point de sauvegarde. Attends. Les voyants orange qui clignotent, ça veut dire quoi? Verrouillage manuel. Rien ne pourra entrer ou sortir avant la réinitialisation du système. Il y a un panneau derrière. En actionnant l'interrupteur de réinitialisation, vous ouvrirez les portes extérieures. C'est ce que je vais faire alors. Une minute, et pour Calder. Vous n'obtiendrez pas le Pulitzer en sauvant Hammond. Ouais, je sais, Brad, mais je lui dois un service, ok? Ok, on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt. Cet épisode était incroyable. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.